Bonjour Max, comment vas-tu? Bonjour Sylvette, bah écoute, ça va, ce matin je prends le soleil. Dis-moi, il y a plein de PQ dans les toilettes, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà tout ce que tu peux faire avec le papier toilette, puisque nous en avons beaucoup, confinement oblige. Alors tu peux, approche-toi caméra, regarde, tu peux écrire des petits messages d'urgence, comme par exemple celui-ci. Ça, c'est vraiment nécessaire et vital. Tu peux faire des dessins, tu peux correspondre avec tes frères et sœurs. Voilà, tu peux aussi correspondre avec tes parents, n'hésite pas. Alors laisser des messages, des recettes de cuisine, des envies d'activité. Tu peux aussi faire des bonhommes quand le papier est terminé. Et puis, une fois que tu as fait tout ça, n'oublie pas d'avoir aussi un petit carnet dans lequel tu vas noter les obsessions de tes parents. Ça, c'est pour le psy quand tu auras 40 ans. Soit il y a beaucoup de papier toilette et donc tu le notes en disant que c'est étrange. Soit tu es obligé de t'essuyer les fesses depuis 4 jours avec tes copies de maths. Et dans ce cas-là, tu sais que tes parents ne sont pas prudents. À demain!